Homo sapiens, Niviaque Corneliusen. Premier mai. Me voici arrivé dans la prison. Les murs de la prison, que je croyais bas quand je les voyais d'en haut, ont clos le domaine comme de hautes montagnes. Je découvre que l'on ne peut pas fuir. Je reconnais l'odeur de la prison et revis la souffrance. Je découvre que le temps n'a rien changé. Je rencontre des prisonniers enfermés et je perds toutes les forces que j'avais accumulées. Je réalise que je ne devrais pas être ici. Je réalise que je suis obligée de fuir. Mais parce qu'on ne peut tout simplement pas fuir une immense prison, je suis obligée d'élaborer un plan. Car je suis obligée de fuir et de ne jamais revenir. Je regarde les prisonniers avec qui je vais devoir vivre. Je vois qu'ils sont tellement enfermés qu'ils se fixent les uns les autres, à s'en rendre l'esprit malade, et cela m'effraie. Ils me regardent et attendent, comme une meute d'animaux. Ils me regardent et projettent de me mordre. Ils veulent me transmettre leur rage de chien. Je vois dans leurs regards qu'ils se réjouissent d'avance de me tourmenter et de se moquer de moi, quand dans la douleur, j'essaierai de survivre. Une simple erreur peut me tuer, et si je dois survivre, je suis obligée de sacrifier quelque chose. Je sacrifie mon âme, Inouk. 24 mai. Aujourd'hui, c'est le jour. Ma tentative de fuite doit tout simplement réussir aujourd'hui. La prison me donne envie de vomir. Les couloirs dégagent des odeurs aigres parce que les prisonniers ont commencé à moisir. La moisissure m'a laissé des cicatrices et a provoqué de nombreuses infections dans mon corps. Les zones infectées dégagent une si mauvaise odeur que je me sens mal. Je suis si nerveux que je ne sens que la puanteur de mes aisselles qui d'habitude me donne la migraine. J'ai besoin de respirer. Les prisonniers ont sans doute un soupçon. Ils ont commencé à me fixer davantage et je suis tout simplement obligée de fuir maintenant. Sinon, ils m'anéantiront. Sinon, ils me maltraiteront jusqu'à m'abandonner sans force. Sinon, ils abuseront de moi. Quand ils seront vidés, ils me tueront. Aujourd'hui est le jour où je fuis, le jour où je nais. Inouk. 25 mai. Les routes sont méconnaissables. Elles ne clôturent pas comme de hautes montagnes. Les gens ne sont pas des prisonniers. Les couloirs sont remplacés par des routes sans murs. Mes poumons inspirent un air non pollué. Les gens sont plus intelligents. Ils ne me regardent pas, ils ne me surveillent pas, ils ne me veulent pas de mal. Je leur suis indifférent. Je respire, je me suis échappé. Have escaped. Fugitif 2014.